Merci famille, connectez-vous, invitez vos amis. Partagez. Merci. Invitez vos amis, on va parler un peu. Hier, on a fait un direct. Aujourd'hui, on est là pour quelque chose de très important. Donc, je vous prie, partagez le direct et puis nous allons parler un peu de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons parler un peu de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu prends ton vol et puis tu descends dans ton pays, tu es fier. Voilà. On parle de notre Côte d'Ivoire. Nous allons parler de cette dame qui a été la première dame de notre pays. Nous allons parler d'elle. Donc, famille, connectez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour d'église. Et aujourd'hui, là, c'est le dimanche. Tout le monde est parti à l'église. Même si vous êtes 6, même 7 personnes, nous, ça ne nous dérange pas. Mais nous allons véhiculer le message qu'on a à véhiculer. Et puis après, maintenant, vous pouvez partager le
le direct. Mm-hmm. Voilà, ceux qui sont à l'église, et quand ils vont sortir de l'église, bon, ils vont voir mm-hmm. ce que nous avons véhiculé comme message. Donc, famille, je vous bénis ce soir, et je vous bénis ce soir, oui, parce qu'il est déjà soir. Mm-hmm. Je vous bénis ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, toujours, les abeilles du ministre Charles Blégoudé, mm-hmm. les semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo. Mm-hmm. C'est de ça qu'il s'agit. Yekere. Si nous sommes là cet après-midi, mm-hmm. on veut parler un peu avec vous. Mm-hmm. Parce que hier, on n'a pas voulu vous faire écouter. Mm-hmm. La vidéo de merci beaucoup. Alerte Saté, mm-hmm. parce que on était vraiment touchés. Ouais. Bon, moi, ce n'est pas celle qu'elle a fait hier que je vais vous faire écouter, hein, mm-hmm. mais celle qu'elle a fait ce matin. C'est pour ce matin-là que mm-hmm. je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter une petite partie, mm-hmm. parce que je vais pas vous faire, j'ai pas envie de vous essouffler. Mm-hmm. Voilà. Mais nous, les abeilles, nous avons décidé mm-hmm. d'aller au terminus avec cette fille-là. Mm-hmm. Tantôt, il y a d'autres qui disent, non, moi, je ne veux plus la suivre parce qu'elle est folle. Alerte Saté n'est pas folle. Mm-hmm. C'est sa mission mm-hmm. qui lui a été confiée. Yeah. Ils ont dit, Alerte Saté, mm-hmm. voilà ta mission. Mm-hmm. Les gens des FPI, là, mm-hmm. c'est la mission qu'ils ont donnée à Alerte Saté mm-hmm. de te truer mm-hmm. la première dame Simone Yves Gbagbo. Yeah. Donc, nous, mm-hmm. pour qui mm-hmm. cette femme-là mm-hmm. a garanti sa vie mm-hmm. Et puis, elle s'est livrée mm-hmm. durant sa jeunesse. Mm-hmm. Donc, nous aussi, nous n'allons pas accepter. Mm-hmm. Nous n'allons pas fermer notre bouche. Mm-hmm. Nous allons suivre Alerte Saté mm-hmm. et on va arriver au terminus. Mm-hmm. Nous, là, mm-hmm. nous, les filles de Sayowa, mm-hmm. on ne va pas reculer dans ce combat-là. Mm-hmm. D'autres n'ont qu'à nous traiter de palabreuses, d'autres n'ont qu'à nous traiter de toutes sortes de noms. Mm-hmm. Mais on a pris une position, on mm-hmm. a pris une décision mm-hmm. de mener ce combat-là. Mm-hmm. Donc on ira jusqu'au terminus. Yekere. Mais avant de vous faire écouter mm-hmm. la vidéo, mm-hmm. je voudrais vraiment remercier mm-hmm. des grandes dames de Paris, mm-hmm. des dignes femmes de Paris, mm-hmm. les femmes mm-hmm. pendant ces 10 années-là, Yekere. Les femmes qui n'ont pas reculé, Yekere. Les femmes qui étaient toujours dans la rue, mm-hmm. les femmes des combattantes mm-hmm. qui sont prêtes mm-hmm. pour leur pays, mm-hmm. pour la libération mm-hmm. de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Je voudrais vraiment remercier ces dames-là. Mm-hmm. Et parmi ces dames-là, il mm-hmm. y a des dignes fils mm-hmm. qui sont prêts, Yekere. Qui ont dit mm-hmm. on est fatigué avec Alassane Dramane Ouattara, oh. qui se sont retrouvés entre eux, Yekere. Qui ont créé mm-hmm. un mouvement Yekere. Pour dire que mm-hmm. ce mouvement mm-hmm. que nous avons créé, mm-hmm. pour dire à Alassane Dramane Ouattara que mm-hmm. nous on est nés mm-hmm. en Côte d'Ivoire. Yekere. La Côte d'Ivoire nous appartient, Yekere. C'est notre terre. Yekere. Donc on doit défendre mm-hmm. notre terre. Ah, oh. C'est là, ce sont cette jeunesse-là que oui. on appelle la Dream Team. Yekere. Je voudrais vraiment mm-hmm. vous remercier. Yekere. Et le président de la Dream Team, Balouna Gbalou, il a fait une sortie ce oh, matin oh. qui nous a monté le moral. Oh, il nous a dit, papa. Les filles, oh, je oh. suis derrière vous. Oh, oh. Je voudrais vraiment lui dire merci. Yekere. Mais mm-hmm. ce combat-là, mm-hmm. nous les femmes, mm-hmm. c'est nous les femmes, mm-hmm. c'est nous qui sommes dénigrés. Mm-hmm. Du moment qu'on dénigre une femme Yekere. Qui nous a représenté dignement Yekere. Dans le monde entier, Ayoua, dites-vous que uh-huh. c'est nous les femmes uh-huh. que ces personnes-là Yekere. Veulent écouler. Ayoua. Donc nous, uh-huh. nous n'allons pas laisser. Yekere. Voilà pourquoi je suis là cet après-midi et je continue de lancer mm-hmm. cet appel Yekere. Que j'ai commencé à lancer depuis hier. Yekere. Je continue Yekere. Là-dedans. Ayoua. Mais j'ai une liste des dames mm-hmm. qui doivent lever le doigt mm-hmm. pour que nous, les filles de Sayowa, mm-hmm. nous descendons dans la rue. Ayoua, Simone et Yves Gbagbo. Yekere. Donc, je reprends la liste. Yekere. Je nomme ici, du côté de Sayowa, mm-hmm. Blé Apolline. Yekere. C'est une femme. Mm-hmm. C'est une combattante. Yekere. C'est une politicienne. Oh, oh. Je nomme cette dame-là, cette grande dame-là. Oh, oh. Derrière elle, on m'a donné un nom encore Yekere. De une de mes tatas. Oh, oh. Tokure. Tokure Jeannette. Oh, oh. Maman, mm-hmm. on t'appelle mm-hmm. parce que tu es une femme. Mm-hmm.
Tu es une femme. Donc, nous avons besoin de toi. Je quitte maintenant du côté de Saïwa. Je vais du côté de Ouai. Je nomme ma maman. Maïliba. On pleurait hier. Ma maman, on t'a appelé. On a crié au secours, maman. Il s'agit de ta mère. Tu as dit, mes enfants, je viendrai. Et tu as fait une sortie. Nous avons toujours besoin de toi. Toujours du côté de Ouai. Naomi de Tiede. Les femmes. Ma maman, on t'a appelé hier. Tu es sortie. Tu as fait une sortie. Tu dis, mes filles ont besoin de moi. Il s'agit de notre mère. Cette femme qui a donné sa vie pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je serai toujours debout pour elle. Naomi, nous te disons merci. Mais on est toujours debout. Je vais du côté de Baoulé. Sonaki. Ma grande. Mon artiste préféré, c'est comme ça que je t'appelle. On a besoin de toi. Tu es une combattante. Ton papa même là, toi-même, tu devais devenir garçon. Parce que quand tu parles là, ta tête est comme ça. Tu n'as peur de rien. En tout cas. Sonaki, tu n'as peur de rien. Une femme même. Où toi, on ne met pas les pieds là, toi, Sonaki, tu dis, c'est là-bas, je vais arriver. Voilà. Tu as vu dans le mouvement, ça n'allait pas. Tu dis, on va créer la Dream Team. Nous allons nous battre pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Sonaki, tes filles là. Toi, tu as décidé, tu es une chanteuse, tu as laissé ta carrière de côté. Ta carrière artistique là, Sonaki, tu as laissé ça de côté. Tu dis, je vais me battre pour le président Laurent Gbagbo. Ma grande, mon artiste préféré, ta mère a besoin de toi. Ta mère, elle crie au secours, mes enfants. Voilà pourquoi on t'appelle de venir. Nous allons nous battre. Mais je sais que nous là, nous allons gagner ce combat là. Parce que on a des hommes derrière nous. On a aussi Baba Nicolas derrière nous. On a Balou Nagbalou. On a Sur de Paris derrière nous. On a Milan Blendé derrière nous. On a des dignes garçons derrière nous. On a des dignes garçons derrière nous. La Dream Team est derrière nous. Oh, on a dina kanyasi o Dream Team, on a dina kanyasi o Team. Wow, on a dina kanyasi o Dream Team, on a dina kanyasi o Team. Yeah, wow, on a dina kanyasi o dina kanyasi o dina kanyasi o Dream Team, oh, wow, on a dina kanyasi o dina kanyasi o dina kanyasi o Donc, Black Moto, l'homme qui parle là, qui a là. Black Moto, quand il parle, André, il est en train de chanter. Ce jeune homme là, Black Moto, quand il parle le français comme ça, tu as envie d'aller à l'école pour apprendre à parler. Ce jeune homme là, il sera debout pour la vie, pour notre maman Simone et Yves Gbagbo. On vous réclame. Je vais du côté de Gaïwa. Ma maman Tepo Léontine. Ouaye, tu es où? Ma maman Tepo Léontine. Femme que tu as mariée dignement là. Femme que tu as dotée là. Femme que tu as mariée dignement et puis tu t'es fière là. Femme qui t'a donné les jumelles là. Cette dame là, cette grande dame là, qui t'a représenté dignement là, elle a besoin de toi. Du côté de Gaïwa, votre femme que vous avez épousée là, vous avez amené à la mairie là, celle à qui vous avez mis la bague au doigt là, elle a besoin de vous. Elle vous appelle. Elle ne comprend pas notre langue. On allait la chercher dans son village là-bas.
Et puis on lui a dit, c'est toi qu'on veut. Elle a dit, vous les bêtez là, je vous aime. Je quiere. Elle nous a accepté. Oh, oh. Elle nous a donné des beaux enfants. Ayo, amé. C'est cette dame, cette dame là que nous parlons. Ayo, kola no, kola di o. Ayo, ni wa me to ni pa o. Aye, kola no. Kola no, kola di o. Ayo, ni wa me to ni pa o. Aye, kola no. Kola no, kola di o. Ça, c'est du côté de Nekedi, ça. Parce que j'ai grandi à Nekedi. Donc, famille, maman de Paul Léontine, femme que tu as amenée à la mairie, que tu as mariée dignement, qui t'a donné les beaux enfants, c'est cette dame-là qui s'est fait vilipender aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Maman, je sais même pas. Famille, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de nous déranger sur le direct là. Depuis matin là. Oh non. C'est pour gâter nos directs à chaque fois. Et moi, ça me saoule. Maman, t'es pas Léontine. Nous avons besoin de toi. Oui. Donc, voilà toi ton message. Je vais aller du côté de Guy Berrois. Guy Berrois. Ma petite soeur chérie. Oui. Tu vas aller à côté de Guy Berrois. J'ai un petit truc à dire. Vas-y, ma grande. À péter. Anna, Abba Guy Berrois, Uruguay. Abba Ambario. Abba Adagou. Abba Uruguay. Abba Ambario. Sakara ma adresse à ma adresse à ma adresse à ma Nada wany. Na petite soeur wany. Na grande soeur wany. Na de ba wany. Anna. Gouru mari krere. Ono oke politique no. Nada gouru mari krere en kanga. Anna oke politique no. Anana. Bakbo akbo. On yu yapare. Anana. Na gemme akou. Mwenye yon. Zana da mari krere. Sibri me waka makabo. Me waka makabo. Ma waka munuo. Mi wano nuo. Ma waka nuo. Nada. Gouru mari kren. Amu awazio. Amu awazio. Nada yo mrukuyo. Ma pa bere. Na ada yo. Fa wo so wola. Sebo o ala kan. Dok. Ate no na. Ha? Akaye ka amu so alete zatera mo a e o ze soe. Zanada. Mira ati akoro yere na ngoro andibu yewo okwa e merima mo wa nyane para dogo zana da goru mari kre na message meda mira te mene te adri kapan zana da yo ngukuo mo nye te na am goru mari kre de afo wa dok wa te no na de gbre lo o samye de gbre mo asa ato azia te azia ma yere na ma te azia ma pare. Ayi se na se ba wo gbiro zana da wa ba pa beri na adayu he akafu onwo
politique ngono donc ma wa yo no ma wa no no yira go tout on est sur ces mira go tout mo yire mo analyser tout o ye no na gbagbo mo ye te femme no donc gbagbo a ngono go ru mari credit de gbre a mo mo wi ni ro ah yire wo ah yi sena forward ya ta ba wa ba te poro yise ba na ta yo nguru yo wa te poro za o ta yo nguru yo ba pa bere na a ta yo anwo gbagbo de ngre mo ngoro wa avrokuru za go uru mari kra de mo ka he wuso za o ka wuso ma ngure ba mu din fam o wa o we ma wa ba mu gerie fam go uru mari kra de o ma wa ba mu za ba o ta yo nguru yo ata ti mi nai ona o ka politique no donc da ka wo aye a video no ngre akote donc ana ka no na fawa ni ada na atem ama yire o yi ma e ka zokwa mu no za mu no ba ka ba mu no ka gama se na mira o ne mira mi o pa de yira bo to o ke analyze o yi no ka politique no za o yi o ne so wa ka o so na ti merci beaucoup ma grande sœur donc je vais du côté de Guy Berroy maman Marie Claire Gourou MC Gourou on a besoin de toi en tout cas tu es une combattante tu as donné ta vie tu as dit tu t'en fous de tes propres enfants du moment que on donne dos à notre vie à nos enfants et puis on se met dans la politique ça veut dire qu'on est prêt à encaisser tout en tout cas. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas notre combat, qui n'ont pas encore compris le combat. Ce sont ces personnes-là qui appellent à l'aide des athées pour donner la vie de leurs sœurs. Mais moi, je me dis que ces personnes-là sont en retard. Mouton. Voilà, ces mouton, personnes-là, mouton. C'est des gens qui je ne sais pas comment je peux les appeler, mais moi, je ne les considère pas. Moi, les ados, mouton. Donc, maman, tu t'es mis dans un combat. Voilà. Tu n'as pas encore gagné. Ah non. Maman. Reste là-dedans. Voilà. L'homme qui défend sa femme s'est fait insulter. Elle continue de se faire vilipender. Et nous avons besoin de toi. Et derrière toi se trouve Maman Wazi. Yekere. Maman Wazi. Oh oh. Son nom est sur la liste. Ayo amé. On dit il faut qu'elle lance un appel aussi. Ayo amé. Parce que c'est une femme. C'est une digne femme. C'est une femme qui s'est fait insulter. Yeah. C'est une femme qu'ils sont en train de dénigrer. Yeah. Yeah. Donc, du côté de Guy Berroy, Maman Wazi, tu dois te lever pour Simone et Yves Gbagbo. Tu dois lancer un appel pour Simone et Yves Gbagbo. Il faut que le monde entier sache. Donc, vous que j'ai cité dans ma vidéo là, moi, un juif là, moi je ne vous, on ne vous demande pas de venir faire des vidéos pour insulter qui que ce soit. Nous, tout ce qu'on vous demande, de lancer un appel pour dire au monde entier, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous avons marché pendant 10 ans pour cette dame là et pour son mari. Donc on ne peut pas permettre à des gens d'insulter cette dame-là. Ah, oui. Si on dit on aime le mari, on doit aimer sa femme. Ah, oui. Quel que soit les problèmes, nous on s'en gabarit. Ce qui nous intéresse, c'est Simone Gbagbo et monsieur Laurent Gbagbo, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Ah, oui. Mais on ne peut pas écarter la femme et aimer son mari. Et cette femme, elle a représenté les femmes de la Côte d'Ivoire dignement. Voilà pourquoi les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, les semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo, nous sommes sur nos directs. Donc c'est pour vous demander pardon. Ce combat-là, ce que nous avons commencé là, tant que vous ne vous levez pas, tant que vous ne lancez pas un appel, on sera toujours sur nos portables. Je sais que on va prendre le temps qu'il faut. Vous allez avoir pitié de nous. Et vous allez lancer cet appel. Pour que nous, là, on parte dans la rue pour dire non à Alette Saté. Pour dire non à Steve Biko de la Mauritanie. Nous devons nous battre pour lui dire non. Parce que trop, c'est trop.
Famille, voilà le petit message qu'on m'a demandé de véhiculer ce matin. Avant de vous faire. Si vous voulez écouter ce qu'elle a dit ce matin, moi je suis prête pour vous faire écouter. Hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui a mis avec elle. Mais nous, on nous envoie ces vidéos. Nous, on a décidé d'aller au terminus avec elle. Donc, on ira au terminus. Mais maman, je ne vous demande pas de faire des vidéos. Vous allez vous faire insulter. Nous qui avons décidé de faire des vidéos là, nous, on va continuer de la suivre. Parce que nous là, c'est leur injure là, ça glisse. Ça nous glisse sur le corps. Mais vous qui ne supportez pas l'injure d'Alette Zaté là, ne parlez pas. Mais vous posez des actes. Envoyez-nous des messages. On va aller devant la porte. Prenez une autorisation à la police, à la gendarmerie, à la préfecture, à la mairie, peu importe où c'est. On va aller devant la porte d'Alette Zaté. C'est de ça qu'on vous parle. C'est pour aller devant sa porte. C'est tout ce qu'on vous demande. Il faut que pour cette fois-ci là, il faut que ça prenne fin. Donc famille, on va vous faire écouter. Si vous voulez écouter la vidéo, maman Apolline dit elle est d'accord. Donc je vais vous faire écouter la vidéo d'Alette Zaté qu'elle a fait ce matin. On va. Avec le président, elle s'appelle Madame Nadi Bamba, Dieu donné, désiré, ange béni de Dieu, qui l'y crut, toi ou t'es, Wanyé, celle qui est venue penser la douleur du président Laurent Gbagbo, celle qui est venue lui enlever cette tristesse, celle qui est venue lui redonner le. Un homme politique, et tu peux être politique, tu peux faire tous les tournées, mais quand tu rentres chez toi là, il faut que tu aies une femme. Attendez, j'avance un peu, hein, parce qu'elle est longue. Laurent a lu toi beaucoup de choses, mais Gbagbo Laurent lui a donné un nom et une existence. C'est moi qui dis ça. Je vais vous lire ce que Jeannine Begré. Voici. Il faut laisser pour Jeannine Begré. Femme qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, qui traite sa rivale, la nouvelle femme de sa femme, de son mari, qui est une Ivoirienne, et puis elle vous dit de traiter cette femme-là de rebelle. Mais quand elle sera présidente de la Côte d'Ivoire, elle ne va pas diriger aussi Touba. Mais la femme là, ses parents sont à Touba, elle vient de Touba, elle habite Touba. Touba fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je rappelle. Parce que ça fait plus de 4 ans, ça fait plus de 5 ans, on est fatigué, je suis fatigué. C'est pour cela que tu as mis ce poste nauséabond là. C'est pour ça que je suis venu te dire. C'est pour ça que je suis venu te dire, dans tes postes nauséabonds là.
infidélité. Et le président Laurent Gbagbo ne faisait plus rien avec elle. Et Nadi Bamba vit avec mon père depuis 24 ans. Et puis elle a été dotée, une femme dotée. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé Kola, Kola 1, Kola 2. Et puis ils ont fait attachement, ils ont fait cérémonie. Et puis depuis des années, là, elle vivait plus chez ses parents, elle vivait chez son mari. C'est de ça qu'elle parle. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Et puis vous me parlez d'une licorne. Une licorne qui n'a même pas de carnet d'adresse. Une licorne qui n'a même pas de réseau. Son seul réseau là. Tu dis? Tu parles de qui? Faut parler, laisse là-bas. Vas-y, vas-y. Une femme qui n'a pas de réseau. Qui n'a aucun réseau. Cricket. Son réseau, c'était Christine Adjobi. Et Christine Adjobi l'a jeté. C'est tout. Son réseau, c'était Christine Adjobi. Et vous, vous partez m'identifier. Et Simone Gbagbo, elle oublie la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Elle a pris Gbagbo Laurent comme cible. Une femme de 72 ans qui a eu deux enfants avec un monsieur. Et elle l'a identifié sur un poste d'injure de sa rivale. Jusqu'on rentre dans le sexe de sa rivale. Et son administrateur de compte ne peut pas dire à Jeanine Begré, faut pas insulter, tu peux critiquer, mais faut pas injurier la femme là comme ça. Faut pas injurier Gbagbo Laurent. Et vous, vous tous, vous êtes assis. Vous likez, vous partagez, vous dites l'icône, une icône de honte. Je dis c'est une icône de honte. J'arrive, je n'ai pas fini avec vous. Vous partez me soulever les soroïstes. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec les soroïstes? Là, là, on est en train de parler d'une histoire où on m'a identifié. Voici, je vous montre. Voici. On n'a pas besoin de ça. Simone en bleu, Simone de Yves, si centrale. Ils ont même, elle a eu même un enfant là-bas. Et puis, elle a fini là, elle n'est pas restée là. Hein. Elle était la meilleure amie de la femme de Dakoury Tablé qui est partie au RHDP là. Et puis c'est Simone même qui a fait que Dakoury Tablé est partie au RHDP. Et je vais vous expliquer, j'ai le temps pour vous. Elle a pris sa propre petite soeur. Étant la meilleure amie de l'ex-femme de Dakoury, les deux femmes étaient copines, cul et culottes. Mais elle a pris sa soeur Victoire et puis elle a donné ça à Dakoury Tablé. Sa copine voulait parler, elle a dit, ah, elle s'est séparée de là. Et puis maintenant, sa petite soeur là, elle voulait commenter Dakoury Tablé. Dakoury Tablé dit non. Peut-être que ce que ta soeur là, elle fait là-bas là, c'est pas chez moi. Quand son Dakoury Tablé a laissé sa soeur Victoire, en même temps, Simone et Yves Gbagbo a mis palabre entre Dakoury Tablé et puis truc. Et puis j'ai dit, elle a fait taper doigt à la maman de Léa. Elle a menti sur la femme. Elle a dit que la femme partait filer tout ce que le président Laurent Gbagbo faisait au PDCI. Elle a menti, menti, menti. Et le président Gbagbo Laurent, qui était craintif, qui ne voulait pas disperser sa vie, a dit, ah, mais quand je parle là, c'est pas le Front Populaire Ivoirien. Jeanine Begré là, elle parle en tant que qui et en tant que quoi. Mais si Jeanine Begré est malade là, allez l'interner et puis venez m'interner. Si Jeanine Begré est malade, Johannesburg et puis elle met des grosses lunettes comme ça là. Mais nous là, on dit Gbagbo Laurent, ce que le sacrifice que Gbagbo Laurent a fait pour la Côte d'Ivoire là, ça ne se, on peut pas, on peut pas, parce que ce monsieur là, il a fait un sacrifice que personne ne pouvait faire. Et puis on est là. Il vous a pas donné sa vie privée. Vous avez dit que vous pouvez parler de vie privée. Moi je viens vous aider. Et puis vous êtes sur la toile là, on insulte votre icône. Je vais vous poser une dernière question. Dites à vos icônes là, quel est son carnet d'adresse? Quel est son carnet d'adresse? Quelle est sortie de la prison là? Quel ancien homme politique, quelle femme politique dans le monde là? Quel est son réseau? Ça veut dire que même si ce n'est pas les femmes des politiciens, quel est son réseau? Elle a fait 10 ans au pouvoir. Elle a son réseau là, c'est qui? Si ce n'est pas sa petite soeur, elle donne à tel mari, elle l'enlève. Et puis c'est les maris au sein du FPI, des hommes qui sont mariés. Et puis elle prend, elle te donne. Si ce n'est pas ça là, quel est le réseau de Simone Gbagbo? Oui. Expliquez-moi. Quel est le réseau? Quel est le réseau? Et qu'on ne peut pas respirer. Vous avez démissionné du combat du président Gbagbo Laurent, de ce noble combat, ce combat de souveraineté, ce combat de dignité, ce combat d'espoir, ce combat qui a donné la vie au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez démissionné, c'est sans sa vie que vous êtes venu vous poser, et puis vous, vous m'avez fait la grâce que j'ai la bonne.
maman, une mère consciencieuse, malgré son jeune âge. Je vais vous laisser. Mais ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Parce que si je vais vous faire écouter la vidéo entière, ça veut dire que on va pas quitter ici. On va pas quitter ici. Parce que elle a dit même, elle a parlé. Celle d'hier là, je l'ai. Hein? Celle qu'elle a fait avant-hier là. J'ai toutes ces vidéos qu'elle fait sur la première dame là, je l'ai. J'ai ça dans mon portable. Voilà. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas là, qui traitent les gens de palabreuses là, moi je ne peux pas accepter ça. Je vous dis ça. Je dis Simone et Yves Gbagbo, elle mérite pas. Famille. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, cet après-midi plutôt, pour lancer un appel. Parce que trop, c'est trop. Hier, j'ai fait un direct hein, où j'étais bien soignée. Mais aujourd'hui là, je vous prie, hein, je vous demande pardon. Je demande pardon à tous ceux qui sont sur ce direct-là. Parce que hier, j'ai pleuré sur mon direct. Pourtant, moi, Félicité, je suis une femme forte. C'est où j'ai perdu mon frère quand je faisais les directs et puis je pleurais. Mais dans ce combat-là, j'ai pas à pleurer. Voilà. Parce que j'ai des dignes femmes qui sont prêtes pour mener ce combat-là. J'ai des hommes qui sont prêts pour mener ce combat-là, pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi je vais m'écouler sur mon direct? Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que c'est une femme comme nous. C'est une femme. Si vous voulez vraiment que... Parce que d'autres ont oublié ce que Simone a traversé. Hein. D'autres ont oublié ce que Simone a traversé. Vous voulez que je vous montre où ils étaient en train de chiter Simone? Vous voulez que je vous montre cette vidéo? Ce n'était pas Nadia Ali Bamba qu'on botait comme ça. On m'a envoyé la vidéo là du Blex. Pour dire Félix, pour montrer cette vidéo là. Est-ce que c'est Simon, c'est Nadia Ali Bamba qu'ils étaient en train de chiter comme ça? Non! C'était Simone et Yves Gbagbo. Ah oh. Simone et Yves Gbagbo a fait à soi ses enfants. Elle a dit à ses enfants que je suis une femme politique. J'ai décidé d'être politicienne. Mes enfants, je vous ai mis au monde. Hein. Mais où je rentre là, si je meurs là, je suis morte pour mon pays. Ce qui va m'arriver là, si ça m'arrive là, j'assume. Elle a assumé. Ah oui. Donc, ce que vous allez attendre, faites comme que je ne vous ai pas mis au monde. Je me bats pour mon pays et je resterai toujours debout pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vais me battre pour mes camarades femmes. Elle ne se bat pas pour ses enfants, elle se bat pour nous. Elle est restée zen. Dans sa peau, à cause de nous, à cause de nous les femmes. Et cette dame-là nous a représentés dignement. Et je répète ça. Donc nous les femmes, nous n'allons pas accepter. Et que cette femme qui a donné sa vie pour nous, on ne va pas accepter qu'elle se fait vilipender comme ça injustement sur les réseaux sociaux. Et nous allons fermer notre gueule. Ah, oh. Donc famille, si nous sommes là, c'est pour vous dire... J'ai ma tata qui est du côté de Lyon. Maman Douska, elle a fait une vidéo hier. Maman, je te love. Où elle a dit dedans, dans sa vidéo, elle dit, quand notre président qui a créé la Côte d'Ivoire, Félix Oufou et Boigny, il voulait changer un peu, aller manger ailleurs. Il a croisé une Togolaise. La Togolaise, là, elle voulait être meilleure. Mais les femmes de Côte d'Ivoire se sont levées pour dire non. Mais lui, comme c'était un président stratège, il a su étouffer
le problème. Mm-hmm. Même si Simone Gbagbo n'est plus mm-hmm. la première dame, mais elle a été. Mm-hmm. Si elle est devenue ex là, mm-hmm. elle a été. Mm-hmm. Donc nous devons nous lever. Et c'est une femme politique, c'est une femme qui se bat pour nous. Mm-hmm. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Ah oh. Donc famille, si je suis là, mm-hmm. c'est pour vous demander pardon. C'est pour vous demander pardon. Je demande pardon à mes mamans que j'ai citées là. Mm-hmm. Maman Touska. Maman Apo, Apo. Wabou. Tout le monde. Mm-hmm. Tous ceux que j'ai cités mm-hmm. sur mon direct là. Je vous demande pardon. Cette femme là. Elle a quand mm-hmm. c'est nous là, on allait la chercher. Mm-hmm. Elle nous a donné des enfants. Elle nous a représentés. Mm-hmm. Donc nous devons nous lever pour mm-hmm. elle. Mm-hmm. Je vous demande pardon. Mm-hmm. Tant que vous ne levez pas le petit doigt, mm-hmm. je serai toujours là. Je serai toujours là pour vous demander pardon. Parce que il faut que vous levez le petit doigt. Dans sa vidéo, elle a dit, les femmes de FPI, mm-hmm. ce sont eux qui lui ont dit mm-hmm. tout ce que la première dame mm-hmm. a fait. Mm-hmm. Je n'ai pas voulu vous faire écouter parce qu'elle a trop parlé dedans. Mm-hmm. Ça veut dire que si vous écoutez sa vidéo, ça va vous donner la migraine. Mmh. Elle dit, les femmes des FPI qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont dit à l'être Zaté. Voilà. Elle dit, ce sont les femmes des FPI là, qui m'ont dit non, est vrai. Que de l'insulter. Mmh. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent femmes, ce sont eux qui disent que, elle a dit dans sa vidéo, hein, que Simone Gbagbo est quittée en prison. Mm-hmm. Elle n'a plus l'argent. Mm-hmm. Elle n'a plus rien. Mm-hmm. Que Nadia Ali Bamba, mm-hmm. elle a du côté du nord. Il mm-hmm. y a de l'or qui quitte là-bas, diamant. Mm-hmm. Donc Nadia Ali Bamba, elle est assise sur l'argent. Mm-hmm. Donc elle paye ces femmes-là. Mm-hmm. Donc ces femmes-là, quand elles ont pesé, mm-hmm. aujourd'hui là, mm-hmm. où le président Laurent Gbagbo s'est trouvé à la haie là, mm-hmm. c'est aujourd'hui là, elles ont vu que mm-hmm. maman Simone Gbagbo, mm-hmm. c'est une femme infidèle. Mm-hmm. C'est une femme qui a couché avec tout le monde. Mm-hmm. Donc elles ont fait une réunion ah. et puis elles ont choisi maintenant Nadia Ali Bamba. Mm-hmm. Donc elles sont au courant. Donc ces femmes-là, mm-hmm. elles ne vont jamais intervenir. Mm-hmm. Jamais les femmes qui disent qu'elles sont parties, elles sont dans le parti politique de notre président Laurent Gbagbo. Mm-hmm. Alette Zaté dit qu'un mot, ces femmes-là ne diront pas ça. Mm-hmm. Parce qu'elles sont dedans. Mm-hmm. Donc comme ces femmes-là, elles sont dans le lot de Nadia Ali Bamba. Nous, mm. nous qui sommes au niveau de l'Europe ici, là. Mm. Comme Nadia Ali Bamba, elle ne nous a pas encore acheté. Mm-hmm. Nous, là, on doit s'élever. Mm-hmm. On doit s'élever pour elle. Mm-hmm. Comme elle n'a plus personne, mm. puisqu'elle est quittée en prison, mm. elle n'a plus rien. Mm-hmm. Elle est tombée. Mm-hmm. C'est Nadia Ali Bamba qui a tous les milliards là maintenant. Mm-hmm. Donc, ils sont derrière elle. Mm. Donc, famille, vous qui demandez à ce que le FPI qui est en Côte d'Ivoire dise un mot là. FPI ne dira pas un mot. Un mot là, ça vient de là-bas. On dit Simone Gbagbo là, c'est fini. Mm-hmm. Donc, ils ont loué Alette Zaté pour la détruire. Mm-hmm. Si vous écoutez, celui qui veut la vidéo, qu'il m'envoie un message. Je vais vous envoyer ces deux vidéos. Mm-hmm. Vous allez écouter ça. Ah là, il y a un messager. Les messages sont là, vous allez écouter vous-même les vidéos. Si je suis en train de mentir, vous allez me dire, Félix, tu mens. Vous pouvez me rappeler pour me dire que tout ce que tu as raconté sur ton direct, tu as menti. Mm-hmm. Sinon, les vidéos sont là. Je ne suis pas en train de mentir. Mm-hmm. Elle dit, les femmes des FPI, là, elles l'ont lâché parce que Simone n'a plus rien. Elle n'est plus rien. Depuis qu'ils étaient au pouvoir, là, Simone a toujours trahi son mari. Mmh. Donc, c'est aujourd'hui, là, les femmes de FPI là, se sont rendues compte que mmh. Simone n'a jamais été fidèle. Mmh. Donc, elles ont vu mmh. Nadia Ali Bamba, qui est fidèle, mmh. qui est restée aux côtés de Laurent Gbagbo pendant 24 ans, mmh. qui n'a pas cherché garçon, mmh. un autre homme n'a pas couché, mmh. elle était vierge, et puis le président Laurent Gbagbo l'a retrouvée. Mmh. Donc, ces femmes des FPI là, se sont associées pour aller derrière si, Nadia Ali Bamba. Mmh. Donc, moi, hier,
j'ai lancé mon appel et mes mamans sont sorties, mes tatas sont sorties. Mais aujourd'hui, je reviens là pour vous dire merci, vous qui êtes sortis hier. Ceux qui ont peur de se faire insulter par l'être exaté, moi, je ne vous demande pas de sortir, de venir, faire de venir insulter à l'être exaté. Hein. Nous, on est là, on va encaisser. Nous, on est là, on a donné ça à l'être exaté là. Ce qu'elle va dire là, nous, on est là pour recevoir. Mais tout ce qu'on vous demande, levez le petit doigt pour dire non, c'est tout. Sinon, on ne demande pas parce que Alette Zaté, elle a mangé avec certains d'entre eux. Donc, lorsque tu parles en même temps, là, puisqu'elle te connaît, donc tout de suite, elle rentre dans toi. Nous, là, Alette Zaté ne nous connaît pas. Je n'ai jamais mangé ça chez Alette Zaté. Alette Zaté, elle ne me connaît pas. Ceux qui nous connaissaient là, eux, ils disent d'après eux-mêmes, ils nous connaissent. Ils ont pris les petits trucs là, ils sont allés lui remettre. Mais nous, on attend la liste. L'autre liste là, notre maman là, elle est comme ça, elle est pute, elle est rentrée ici là. Nous là, c'est pas grave. Ma maman, elle est pute. C'est pas grave. Mais je dis, l'autre liste qui reste derrière là, depuis là, on réclame la liste. Mais Alette Zaté ne vient pas avec la liste. Donc, nous, les filles de Saïwa, on attend la deuxième liste. Il faut qu'elle tombe. Alette Zaté doit venir parler de nous. Mais elle nous laisse là. Alette Zaté. Je dis, moi je me suis livrée à toi. Tu dis, tu vas aller au terminus. C'est ceux qui font des postes, non? Ceux qui sont en train de faire des postes là. Tu, toi, tu vas aller au terminus avec eux là. Mais nous qui te réclamons là, tu ne viens pas vers nous. Moi, la fille des oreilles là, je dis, je te réclame. Tu viens vers nous, moi je t'attends. Tu dis, toi, tu veux détruire Simone et Yves Pabo. J'ai dit, toi et moi, on ira jusqu'au terminus. Mais moi, je suis prête pour toi. Donc, si quelqu'un même l'a fait, un poste là, tu laisses cette personne et puis tu viens vers nous. Tu as peur de nous? Ou bien ceux qui te donnaient les listes là, ils ont arrêté de te donner des listes. Mais si tu n'as plus de listes là, mais on n'a qu'à parler entre femme et femme. C'est Nadi Baba qui est parfait. Tu comprends? On n'a qu'à parler entre femmes, nous, entre nous les femmes là, on n'a qu'à parler. Mais tu nous laisses là, tu es comme, tu es devenu un oiseau maintenant, tu vas sous toutes les branches. Ceux même à qui tu dois, ma grande soeur, tu viens, tu vas parler. Ceux à qui tu dois t'attaquer là, toi tu ne viens pas t'attaquer à ces personnes là, mais tu vas sous toutes les branches. On est là, cet après-midi là, famille ici, tu es fatiguée de connaître toi. Parce que j'ai beaucoup à dire, hier là. J'étais serrée, je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, là, je vais accoucher pour donner à l'aide. Ma petite soeur, moi, je ne peux pas te caler, mais je vais dire deux mots seulement. Je dis, papa, notre président Laurent Gbagbo, je vais te dire, mes amis, excuse-moi, mais trop c'est temps. Mes frères de GPS, je vous demande pardon. Excusez-nous. Si ce que je vais dire là, je suis en train de vous demander pardon. Excusez-nous. Mais j'ai ma petite soeur a oublié quelque chose. La guêpe, on te dit merci. Ta sortie, tu as fait hier là. On te dit merci. Oui. En tout cas, vrai. Merci beaucoup, la guêpe. Merci. Nous, on te dit vraiment, mouah, bisous, merci. Mais tout ce que je vais dire ce soir là quoi, excusez-moi. J'ai dit, papa Laurent Gbagbo, on dit, on va nous tous là, on va tomber debout. Mais c'est quoi qui reste? Pourquoi on va traîner? Pourquoi on va tourner? Non, il n'y a rien qui reste. Tout pour maman Soumane, tout est dit, tout est sur les réseaux sociaux. On va avoir peur encore, pourquoi? Je dis, moi, ce que je vais dire, papa, président Laurent Gbagbo, Nadi Baba qui est là, elle est pourrie. Président Laurent Gbagbo, Nadi Baba là, elle est pourrie. Elle est pourrie comme, je ne sais pas, comme caca. Caca aussi, là, et puis ça sent là. C'est comme ça, Nadi Baba. Je dis, notre président papa, toi-même, tu tombes debout.
Toi, tu as cherché jusqu'à... Senna dit, papa, toi, tu as vu. Yeah. Ils sont en train de inciter les maris de notre maman Simone et Yves Gbagbo. J'ai dit, papa, toi, tu n'es pas à côté de notre maman Simone Gbagbo qui couche avec tout le monde là. Tu n'es pas à côté. Celle qui est bien là, tu es à côté d'elle. Mais c'est pour toi là qui va faire mal. Ton a dit, papa là, elle a couché avec Sorogion. Papa, toi-même, toi, notre papa, tu as attrapé ce regard sur Nadi Baba et puis tu l'as enlevé. Ce regard était sur Nadi Baba comme ça, elle est en train de pomper comme ça. Fais ce qu'ils ont mis sur couronne dedans là. Ils ont mis Kabato dedans là. C'est fait cela. Ils ont mis Kabato dedans là. Ce regard était assis comme ça, dessus, sur Nadi Baba. Elle est en train de chercher Mugu Nadi Baba. Et puis tu l'as enlevé là. J'ai dit, Nadi Baba n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas arrêtée là. Hein. Parce que femme qui a gros fesses là, tu vois, femme qui a gros fesses là, les femmes qui ont gros fesses, elles sont là, excusez-moi, hein, mais il y a des femmes et puis il y a des femmes. Parce que si tu n'as pas fesses là, on met fesses là, les fesses on met là. C'est comme ça que vous êtes. J'ai dit, Nadi Baba n'est pas arrêtée là. Elle est partie encore. Elle est allée chercher Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko même. Non? Elle a tripoté jusqu'à Ahmed Bakayoko l'a tapé bien, siphonné, propre. Elle n'est pas arrêtée là, hein? Elle est venue à Paris ici, à côté de la prison. Nadi Baba n'est pas arrêtée là. J'ai dit, tous les petits journalistes là, Nadi Baba a tout fini. J'ai dit, si on dit Gangoura quoi, Nadi Baba a fait fourra. Elle a jeté fourra. Nadi Baba là, vous voyez là, elle a jeté fourra. Qui ne connaît pas Nadi Baba? Nadi Baba n'est rien. Je dis, papa, tu es tombé où? Notre président. Tu es tombé où? Papa Laurent Gbagbo. Mais ça, ce n'est pas une femme. Toi-même, tes enfants, tu vas mettre au monde là. Il cherche Nadi Baba. Oh non. Je n'ai pas dit ce regard, mais c'est un joli garçon. Mais ce sont ses enfants. Mais c'était. Non. Toi-même, notre président Laurent Gbagbo, tu es grand-père de Sorogion. Grand-papa, il va te dire grand-papa. Mais Sorogion m'a mougou, n'a dit papa, pa, comme ça. Ma. Pina, ma. Sorogion m'a traité de. Chercher, c'est le gars en train de mougou Nadi Baba et puis Lola sort comme ça. Nadi Baba elle était sale. Laissez-nous. J'ai dit, qui est Nadi Baba? On a demandé excuse. Mais Nadi Baba n'est rien. C'est maintenant moi-même, je suis en train de. Je me rappelle maintenant. C'est à quoi c'est celle-là? Mais elle n'est rien. Oh non. Tout le monde, ça c'est casserole. Elle n'est pas soi. Elle n'est pas soi. Nadi Baba, elle n'est pas soi. Elle allait à Tunisie là. Ils ont mis fesses là. Nadi Baba, on dirait cadavre. Quand elle s'habille là, même, on dit, il regarde la photo que j'ai vue là. Moi, je ne te connais pas, on a dit papa, mais photo que j'ai vue, on a mis Simone Gbagbo, Nadi Baba, mais on dirait cadavre. Tu restes, elle reste à minuit. Minuit. Non, obscurité. Tu n'es rien.
Tu es vilaine d'abord. Né là, on dirait pilon. Ils ont, on dirait pilon. Gars, je comprends pourquoi elle te parle de toi. Parce que vous avez le. Parce que quand tu as la femme qui a un gros nez comme ça là, en bas là. Ah. On voit. Donc, nous, président Laurent Gbagbo. Oh. Oh. Oh, papa, on t'a donné. Chers diamants. Ils ont mis tous les diamants. Ils ont mis tous les. Adegra. Akita. L'or. Tout. Nous, on a placé ton chaise où tu vas t'asseoir. Nous, les patriotes, là, on a placé chaise où tu vas t'asseoir. Papa. Diamant. Quand tu vois chaise, là, il y a diamant, il y a l'or. Papa. Tu vas t'asseoir dans caca. Quand on fait du feu, là. Les trucs de du feu là. La cendre. Cendre là. Tu as laissé diamant là. Tu as laissé lumière là. Tu t'en t'assois dans cendre. Dans caca. Notre papa. Notre diamant. Papa Laurent Gbagbo. Toi, tu as souffert à cause de nous. Quelle prison tu n'as pas fait. Notre papa Laurent Gbagbo. Nous aujourd'hui là, nous les ça fait rien là. Nous, on parle aujourd'hui de toi aujourd'hui. Pourquoi même on dit, non, quand vous faites la papa, vous allez toucher notre président Laurent Gbagbo. Non. Papa, tu vois pas ton fils Blé Goudé? Quand ils ont, c'est toi qui as mené tout ce qui est en train de passer là, c'est toi. Quand ils ont libéré, vous deux là, quand ils vous ont libéré là, Blé Goudé est parti où? Tu allais suivre Blé Goudé. Mais toi-même, tu sais que Soro Diom a passé là. Bakayoko est passé là. Tu t'en t'assois ta caca. C'est elle-là. Alette Zate va comparer à notre maman. Mais papa, oh. Les Ivoiriens, ils sont en train de décourager. On a amour en train de partir. Hein? Parce que toi-même, tu as construit. Toi-même, ceux qui vont couper tes branches là. Toi-même, tu as dit, venez couper. Ils sont en train de couper. Hein? Mais ils sont en train de couper. Toi, tu es en train de dormir. Mais le jour, tu vas te réveiller là. Tout branche là est coupé. Et puis tu vas tomber. Donc les gens, les femmes, je parle des femmes. Les femmes qui sont à Biga là-bas, regardez notre vidéo là. Levez-vous. Si tu aimes Simone Gbagbo, il faut te lever. Si tu es en train de manger, il faut te lever. On dirait combat de Alassane là. On va mettre ça de côté. Si tu aimes Simone Gbagbo, les femmes, je parle des femmes. Femmes, hein? Je n'ai pas dit garçon, je dis les femmes, je parle de. Femme. Moi-même, je suis femme. Et puis, je suis en train de parler. Si tu aimes le combat de Simone et Yves Gbagbo, là, il faut te lever. Il faut te lever. Tu vas dire non. Matin bonin, Simone Gbagbo va se réveiller là. Devant sa porte, là, est remplie. Des femmes. Les femmes les qui sont à Biga, les dignes femmes qui sont à Biga, je parle de vous. Levez-vous. On n'a qu'à laisser combattre Alassane Dramane Ouattara. On n'a qu'à mettre ça dans le bagage. On va mettre ça de côté. Mais les femmes d'Abigail, je suis en train de vous parler. Je vous demande pardon. Levez-vous. La femme là, elle n'est pas bêtée. Elle est quittée. Notre papa allait chercher la femme. Elle n'est pas bêtée. Elle est venue dans notre pays, dans notre village. Et puis on l'a mariée. Papa allait chercher Simone Gbagbo et puis on a marié. Donc vous, levez-vous. Matin bonheur là, maman Simone se réveille là, sa porte là, c'est rempli. Parce que je n'ai jamais vu ça.
Parce que moi, ce qui est dans mon cœur, là, si je ne fais pas sortir, là, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Et puis, on nous dit, non, laissez, non, 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 pas des sortes. Mais on est en train de parler, mais la fille, elle est en train de partir toujours. Hein. On nous dit, laissez, on nous appelle. Non, vous êtes les dignes femmes. Non, pas des. Mais on est en train de parler, mais elle est en train de siphonner Simone Gbagbo toujours. Non. Nadi Baba, elle est qui? Nadi Baba est pourri. Nadi Baba n'est pas femme. Elle peut te comparer à Simone Gbagbo. Son nez, on dirait poussin là. Sa bouche qui rive ici, on dirait Alette Zaté même. Elle est qui? Et puis nous, on va être là, d'accord? Comme nous, non, comme on dit, on va parler. On n'est qu'à être là. Mais c'est qu'Alette Zaté est en train de dire à mes amis, si tu écoutes ça là, quoi, tu vas avoir attaque. Donc moi là, je vais me libérer. On dit, papa, on t'a enlevé à prison. Tu peux faire comme blé goûté. Mais tu allais derrière Nadi Baba. Voilà, voilà aujourd'hui. Et puis quand vous parlez là, papa, on va dire non, président, non, 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 président n'a rien à voir. Non, si papa faisait comme blé goûté là, il n'y avait pas de problème. Nadi Baba peut venir voir Simon, notre président, Laurent Gbagbo. Elle peut quitter ses ailes là-bas pour venir voir papa. Mais pourquoi papa allait s'asseoir là-bas? Papa ne regarde pas les vidéos. Papa n'est pas de téléphone. Non. Alette Zaté a tout dit. Oh. Alette Zaté a tout dit. Elle a tout dit. Il n'y a pas à faire de dire, non, c'est quelque chose. Elle a très de. Il n'y a pas quelque chose ici. Alette Zaté, dans son vidéo d'aujourd'hui, elle a tout dit. Elle a tout dévoilé, hein. Elle a tout dévoilé. Donc, mes amis, je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Il n'y a pas mensonge, c'est pas micmac, c'est pas. Il n'y a pas marmaille dedans. C'est la vérité. Alette Zaté a tout dit. Donc, divorce là, c'est pas faux. Papa, notre président, Laurent Gbagbo, il sait. C'est lui-même qui est en train de. C'est lui qui dit à Nadi Baba. Et puis Nadi Baba dit à Alette Zaté. Donc, il n'y a pas de truc qui est caché là. Papa, vous allez nous ménager quoi. Papa, vous allez. Il y a un problème là, c'est clair. Et puis vous allez fermer. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas normal. Donc, tout est clair. Donc, il n'y a pas de truc qui est caché. Donc, c'est bon, repose-toi. Famille, on est là. Hein? Mais je vais. Ma grand-sœur a déjà dit. Elle a déjà parlé. Parce que moi, il dit tant que les femmes dignes ne se lèvent pas là, je ferai toujours des directs. Ce combat-là, je ne lâcherai pas. Mais c'est pour dire à certaines personnes. Vous savez, dans ce combat-là, d'autres personnes ont pensé que nous, les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, on allait reculer. Non, non, non. Quand ma maman m'a mise au monde, là, quand je suis tombée, là, je ne suis pas repartie dans le ventre de ma mère. Quand je suis tombée, là, je ne suis pas repartie dans le ventre de ma mère. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Donc, je n'ai peur de rien. En tout cas. Je dis pour Simone et Yves Gbagbo, famille, je vous dis que je suis prête. Mm-hmm. Je suis prête. Mm-hmm. Pour le ministre Charles Bleu Goudé, je vous avais promis. Quand on a commencé les directs, je vous avais promis que j'irai jusqu'au terminus et je suis toujours là. Je ne vais pas reculer d'un pas. Mais je suis en train de dire à certaines personnes, comme Alerte Zaté, je suis là. Avant d'attaquer, moi je vais attaquer Nadia Ali Bomba. Hein. Je ne vais pas jouer avec elle. Elle là, je vais l'attaquer. Parce que dans sa vidéo d'aujourd'hui, là, elle a tout dit. Il n'y a rien à donc, cacher. Elle, là, Nadia Ali Bomba, elle sera attaquée copieusement, proprement. Et puis, elle nous dit, ça ne va pas quelque part. Donc, quand nous, on va attaquer Nadia Ali Bomba, ça n'ira pas quelque part. Ça va aller où? Ça va aller où? Il n'y a pas justice dedans. Donc, moi, je vais tout simplement dire à Nadia Ali Bomba ce qu'elle ne sait pas. C'est tout. Donc, ce que j'ai dit à Alette Zaté, tu sais,
Aujourd'hui, quand tu fais tes directs, il y a des gens qui sont en bas de ton direct qui te disent « Vas-y, ma bichette. » Et puis, qui sont là, qui t'enflamment. Mais je te dis, votre Bagboklo, parce que c'est comme ça, vous vous appelez dans votre groupe, Bagboklo. Mais parmi Bagboklo, là, on vous a choisi. Il y a Steve Biko de la Mauritanie, et puis il y a toi, vous êtes deux. Pourtant, dans Bagboklo, là, vous êtes nombreux, hein? Vous qui venez contre Simone et Yves Gbagbo, vous êtes beaucoup dans votre groupe. Mais pourquoi c'est vous deux qu'ils ont choisi? Et puis dès que tu te connais là, ce sont ces mêmes personnes là qui viennent, qui t'acclament. Vas-y ma bichette. Mais c'est pour dire à ces personnes là, pour leur dire que moi je suis digne. Ah Zia. Moi la fille des oreilles là, je suis digne des paroles. Je vous ai dit que vous et moi là, on irait au terminus. Est-ce que vous m'avez vu là? J'ai reculé d'un pas? Non. Je suis même pas prête à reculer. Je suis pas prête à reculer. J'irai jusqu'au terminus avec vous. Mais j'ai l'impression que parmi ton groupe là, il y a des gens qui manquent de couilles. Dans votre groupe là, il y a des gens qui manquent de couilles. Qui ne sont pas des hommes. Qui ne sont pas dignes. Moi, je suis digne. J'ai dit que je vais vous combattre jusqu'au terminus. Et je vais vous combattre. Dites tout ce que vous voulez. Mais je vais toujours rester sur ma position. Je ne vais pas reculer d'un pas. C'est vous qui vous cachez derrière Alerte Zaté, derrière sa vidéo. Et puis vous l'acclamez. Et puis vous faites des vidéos en parabole. Dites mon nom. Je suis là. Je montre mon visage. On est là. Les filles de Saïwa. Si tu sais que tu es un homme qui a peur, que tu te fais confiance, et que le combat que nous menons aujourd'hui, là, si toi tu trouves que on n'a pas le droit de soutenir Simone et Yves Gbagbo là, fais une vidéo et puis dis-nous, dis notre nom dedans. C'est arrête, Nathalie, c'est Félicité. Félicité, Nathalie Zoré, Félicité Zoré, je suis là. Pourquoi je suis là? Je suis à côté de toi, je suis dans tes narines. Et puis tu vas tourner ailleurs. Oh, tu as peur de nous. Tu ne veux pas dire mon nom? Tu n'es pas garçon ou bien tu quoi? Tu ne veux pas dire mon nom? Tu n'es pas femme aussi? Tu ne veux pas dire mon nom? Tu me laisses là et puis tu vas tourner. Tu ne vois pas? Le chemin est bien tracé. Prends ta voiture, prends ce chemin qui est bien tracé. C'est même pas la peine d'aller dans les trous là-bas avec ta voiture. Tu veux abîmer ta voiture? Pourtant, je suis là. C'est parce que Alain Tzaté, elle est bête. Alette Zaté, elle est malade. Alette Zaté, elle est cinglée. Alette Zaté, c'est une chienne. C'est une sauvage. C'est une imbécile. Voilà pourquoi elle n'analyse pas ce qu'elle fait. Vous, vous la poussez dans le trou. Vous poussez Alette Zaté dans le trou. Ce secret que vous avez détenu depuis 2020, c'est ça qu'Alette Zaté est venue mettre sur les réseaux sociaux. Sinon, nous, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, les semelles de riz de Simone et Yves Gbagbo, depuis fort longtemps, on savait sur quoi vous étiez assis. Vous pensez que c'est quand vous allez dire ça de Simone et Yves Gbagbo que nous allons reculer? Ah non, 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 c'est mal nous connaître. Donc, vous qui faites des vidéos et puis vous parlez en parabole, vous qui faites des vidéos et puis vous ne voulez pas parler des filles de Saïwa. Parce que vous savez que nous sommes dans la vérité. Vous savez que Simone et Yves Gbagbo là, elle s'est battue pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que cette femme-là s'est sacrifiée pour notre pays. Vous savez que cette femme-là s'est fait vilipender pour défendre les femmes. Donc vous savez très bien que je ne suis pas dans un combat à gauche. Je suis dans le vrai combat. Voilà pourquoi, quand vous faites vos vidéos, vous tournez autour du pot. Moi, Félicité, quand tu as affaire à moi, quand j'ai affaire à quelqu'un, je dis ton nom et puis je te parle. Voilà. Je ne suis pas là pour parler. Je ne suis pas une fille de parabole. Je parlais dans parabole là. Non. Quelqu'un est là et puis tout. Je suis à côté. Dis mon nom. Les filles de Saïwa, je parle de vous. Faut nous dire que je ne veux pas que vous défendez Simone et Yves Gbagbo parce que ce n'est pas une femme digne. Voilà. Pourquoi tu tournes autour du pot? Tu as peur. Je te vois. Mon œil te voit. Je te suis. J'attends que tu tombes.
À cause de toi aujourd'hui, on est en train de vous voir. Tu vois? Pourtant, j'aime pas où on dit vous là. Mais comme moi, je vais te citer là, je dis toi. Mais comme tu as peur de moi, j'enlève la honte à tes yeux aujourd'hui. Vous vous cachez derrière une gamine. Vous vous cachez derrière Alette Zaté. Et puis vous l'encouragez. Vas-y, ma bichette, vas-y. Quoi. Mais tu es un merdier, moi je vais te dire ça. Tu n'es pas couille à bas de toi. Tu es un merdier, toi qui restes sur le direct d'Alette Zaté qui la soutiennent. Tu es un merdier, tu es un imbécile. Là. Moi je te dis ça. Tu es un gros chien. Oui. Tu manques de couilles. Si Souré était ta femme. Bien qu'elle est. Si Souré était ta femme. Toi, tu pouvais supporter ça. Tu non, peux accepter qu'on injure ta mère comme ça. Non. Tu peux accepter qu'on injure ta mère comme ça. Personne ne peut accepter cela. Tu manques de couilles. Tu manques d'inspiration. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas digne. Moi, je te le dis aujourd'hui sur mon directeur. Qui se sent morveux va se moucher. Si tu es vraiment, tu sais que ton nez est rempli de morve, mouche-toi sur mon direct et puis faut me désigner dans ton direct. Dis mon nom, mène-toi et moi, on ira jusqu'au terminus. C'est de ça que je te parle, parce que je ne peux pas accepter. Ce qui concerne Simone Gbagbo, avec le ministre Charles Blé Goudé, j'irai au terminus avec vous. Vous êtes qui? Vous êtes une bande d'imbéciles? Vous êtes qui? Vous êtes une bande de cons, des gros cons seulement qui sont associés. Vous êtes qui? Vous êtes une bande de merdiers, des imbéciles, des gros chiens, des gros putains. Vous n'êtes rien devant Simone et Yves Gbagbo. C'est ce secret-là que vous détenez. Oui, Alette, ma bichette, vas-y, dévoile le secret, mais tu es une merde. Tu es un imbécile. Tu n'es rien. Tu n'es que la poussière. Tu n'es rien. Répondez-nous. Vous qui avez encouragé Alette Zaté, vous qui continuez de l'encourager, c'est de vous que je parle. Répondez-nous. Parce que nous, là, on vous connaît. Mais gare à quelqu'un d'entre vous qui va sortir. Faites des directs et puis dites non dedans. Dites que les filles de Sayowa, pourquoi vous parlez de Simone Gbagbo? Mais je vais vous descendre jusqu'à dans votre tombe. Je vais vous suivre dedans. C'est de ça que je vous parle. Vos caleçons qui ont gros et puis il n'y a rien en bas là. Moi je vais vous montrer qui vous êtes. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est que Simone a traversé là. Vous pouvez traverser ça? Ce que Simone a vu là, vous n'allez pas. Non. Toi, femme aussi. Famille, j'ai fait appel à mes mamans. Parce que c'est une femme qui nous a représenté dignement. Mais il y a des merdiers devant cette fille, derrière cette fille-là, qui enclame cette fille-là, qui lui dit vas-y. Mais il y a longtemps, Willy Bra, il a compris ça. Il s'est mis à la queue. Willy Bra n'est pas dedans. Hein. Il a compris ton combat. Willy Bra, il a compris ton combat. Il s'est mis à la queue. Il dit non. Moi, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas. Il dit quand tu es un homme et que tu te bats pour une personnalité, même si tu dois manger, il faut savoir manger. En tout cas. Je vais manger, mais je ne veux pas manger dans les injures. Je préfère manger à Sumaret. Willy Blanc, il veut manger, mais il mange à Sumaret. Il sait qu'on va manger aujourd'hui. Mais comme vous êtes une bande de salauds, vous êtes des merdiers, c'est vous qui venez acclamer à l'aide de Zaté. Puis c'est nous là. Vous voulez attaquer en parabole. Mais moi, la fille des oreilles, je suis assise sur mon tabouret. Pour Simone et Yves Gbagbo, traitez-moi de toutes sortes de noms. Je vais assumer. C'est de ça que je vous parle. J'ai dit, cette femme-là ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Aujourd'hui, là, les femmes sont sorties de partout. Vous pensez que les femmes qui prennent leur portable, là, qui payent leur connexion là, pour défendre Simone et Yves Gbagbo, là, est-ce que ces femmes-là, Simone et Yves Gbagbo connaissent ces femmes-là? Jamais. Elle n'a jamais vu ces grandes dames-là. Mais quand elle regarde en bas, elle dit que c'est la même chose. Donc, du moment qu'on traite ma camarade femme comme ça, c'est que c'est moi qu'ils ont insulté. Et puis toi, tu manques de couilles. Et puis c'est nous, là. Toi, tu vas t'adresser de Wobou. Oh! Vas-y, réveille-toi cette fois
tu vas venir vers nous. Mais je t'attends. Mais aïe, me descends. Je t'attends. Tu vas tourner jusqu'à ce que tu vas tomber dans mon piège. Je t'attends. Je t'attends. Je ne vais même pas reculer. Je t'attends. Je t'attends jusqu'au terminus. Je t'attends. Toi, tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas rigoler. Tu ne veux pas regarder les gens droit dans les yeux pour rigoler avec ces personnes-là. Mais pour rigoler, tu as besoin. Tu as baissé ta tête comme ça. C'est moi, je te parle. Parce que ce combat-là, nous allons gagner ça. On va gagner, puis on ira au terminus avec vous. Et je vous connais. Le jour, cette femme-là va se réveiller pour prendre une décision pour sa vie. C'est moi qui serai la première à donner vos noms. Je vous le jure. Et ça, vous avez ma parole. On va vous détruire. De la manière à faire prison là. Prison là, vous allez faire ça. Vous allez payer. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire, Simone et Yves Gbagbo là. Vous allez tous payer. Vous allez payer. Je vous connais, vous allez payer. Vous allez payer, vos enfants vont payer. Vos femmes vont payer. Vos mamans vont payer. Vos petits-enfants vont payer le prix fort. C'est de ça que je vous parle. Mais dans la vie, là, quand tu n'aimes plus la femme, là, tu la laisses partir. Hey. Vous ne l'aimez pas. C'est une quoi? Elle a couché avec tout le monde. Mais laissez-la. Ce qui est parfaite, là, ce qui est bien, ce qui n'a jamais couché avec un homme, ce qui fait de beaux enfants, ce qui n'a jamais été, ce qui n'a jamais cherché garçon. Mais vous l'avez récupéré. Mais laissez celle-là de côté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous parlez à une personne qui ouvre même pas sa bouche pour vous répondre. Et vous avez, il y a des gens, oui, vas-y ma bichette, vas-y on te soutient. Vous êtes une bande de merde, des imbéciles, des manque-couilles. Des manque-couilles, vous n'êtes pas digne d'être un homme. Vous n'êtes pas digne d'être des garçons. Vous n'êtes pas digne d'être des femmes. Vous êtes Gbagbo-Claude. Et puis vous, ça allait te zater seulement. Allait, il faut parler parce qu'elle est bête. Elle est, c'est une chienne. Parce qu'elle est là qu'elle finit de prendre sa drogue là. Elle n'a plus de trucs. Elle n'a plus de retenue. Elle ne sait pas que vous êtes en train de la jeter dans le feu comme ça. Demain, quand ça va se déclencher, ces mêmes gogoles là qui te soutiennent aujourd'hui là, ils vont te dire que ce sont pas eux qui t'ont envoyé, qui t'acclament. Vas-y, vas-y, allez. Oui, oui, pourquoi même? Elle allait chercher garçon. Oui, oui, elle y a dit, maman, la fille de maman, je vais parler. Tu es bête, Alex. Alex, tu es bête. Ces personnes-là, il faut leur dire de prendre leur portable aussi. De la manière que tu parles là, ces personnes-là n'ont qu'à parler aussi. Puisque vous êtes une bande de merdiers, vous êtes une bande de chiens, donc dis à ces personnes-là qui t'entourent aujourd'hui, qui t'acclament là, eux-mêmes là, quand ils montent sur leur portable là, ils n'ont qu'à parler aussi. Ils n'ont qu'à dénigrer aussi. Madame Simone et Yves Gbagbo, ils n'ont qu'à la dénigrer aussi. Mataba de Londres, je vais t'envoyer un nom. Mataba de Londres, la combattante, la Dream Team de Londres, je t'envoie un nom là-bas. Tu vas attaquer du côté de Londres. Tu vas attaquer aussi. Mataba de Londres, tu vas attaquer. C'est quoi cette bande de merde là? Pour une pauvre femme qui ne vous dit rien, vous vous encharnez sur elle comme ça. Vous vous encharnez sur Simone et Yves Gbagbo comme ça. Vous avez pris Nadia Ali Pampa, elle est Ozoa, Ange Gabriel, mais nous on s'en gâte pas. Ange Gabriel, elle est sainte. Ange Gabriel, on s'en gâte pas de toi. On n'a rien à foutre avec toi, que tu sois Ange Gabriel. Nous on n'a rien à cirer. Point. Mais ton Ange Gabriel, là, même, c'est toi celui qui parle. Hein. Voilà, donc famille. Ça. Ange Gabriel, là, tous ceux qui sont. En bas du direct de Alette Zaté, on a tous vos noms. On a tous vos noms. On a vos dossiers. Oui, les abeilles. On a tous vos dossiers. Ça veut dire que vous êtes dans notre paume ici. On vous connaît. Ton âge, voilà. Il faut demander, mais ton âge, Gabriel, c'est toi seul qui parle. Et mais puis, il faut tu es la seule. Tu es la seule. Ange Gabriel, Ozoa, nya nya nya, oh, Dibeta, oh, wa. Mais les autres qui t'acclament là, tu peux pas leur dire de parler aussi d'Ange Gabriel. Mais quand tu dis Simone là, regarde, il faut regarder sur les vidéos là. Hein? Ceux qui t'acclament pour dire Ange Gabriel, elle est ivoirienne. On n'a pas dit qu'elle n'est pas ivoirienne, mais tout ce que nous on essaie de te dire là, c'est pas manger. Quand tu as une maîtresse là, il faut savoir manger. Mais elle est une maîtresse. Celle qui a cédé sa place, elle t'a dit maman,
J'ai pris de l'âge. Et c'est vous qui lui donnez 74 ans là. Femme de 74 ans, c'est parce qu'elle a eu 74 ans là. D'après toi-même, elle a 74 ans là. C'est pour ça qu'elle a dit à une gamine de 16 ans là. Viens, tu vas masser mon mari. Simon Babo, vous êtes rentré dans le trou, vous êtes sorti. Yeah. Vous êtes rentré, vous êtes sorti. Un mot, elle ne dit pas. Mm-hmm. Tu voulais qu'elle te dise quoi? Elle n'a qu'à venir parler. Elle n'a qu'à dire, il ne faut pas, les gens vont faire des postes. Janine Begré, je ne te connais pas, j'attends ton nom. Les postes là, si tu connais là, fais. Si elle sort là, nous les abeilles là, les semeuses de riz là, nous on va sortir. Mais les femmes de Côte d'Ivoire, vous devez sortir. Sinon, Alette Zaté, je ne vous demande pas de sortir parce qu'Alette Zaté va se calmer. Hein. Non, non, non. Hein. Elle ne va pas se calmer. Hein. Elle ne va pas. Parce que c'est un clan. Il y a FPI. Et puis, il y a un clan à Paris ici. Mm-hmm. C'est un groupe qu'ils ont déposé sur place. Il y a le groupe de Paris et il y a le groupe de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Donc, ce combat-là, ce n'est pas un combat qui va finir en un jour. Hein. Mm-hmm. Famille, je vous préviens en même temps. Ne dites pas que demain, qu'on va se lever pour dire que non, non, c'est non-là. Alette Zaté fermera sa bouche. Elle ne fermera pas sa bouche. On est FPI. Parce que FPI même, tout FPI de Laurent Gbagbo, c'est ce que Nadiali Bamba à récupérer. Mm-hmm. On dit que Nadiali Bamba, les diamants de l'or qui est au nord là-bas, c'est ce qu'elle vend. Elle a l'argent de la Côte d'Ivoire avec elle. Mm-hmm. Donc c'est cet argent-là. Mm-hmm. Elle prend pour payer les Odettes Lourignon, les Odettes Soué, toutes les femmes de FPI là. Mm-hmm. Elles sont payées par Nadiali Bamba. Mm-hmm. Donc ce n'est pas un petit combat. Le même combat que nous avons mené et puis le président Laurent Gbagbo est sorti de prison là, c'est le même combat. Si nous, les femmes, on ne se lève pas, cette femme, ils veulent la détruire. Mm-hmm. Parce que le fait qu'elle ne parle pas là, les femmes des FPI là même là, elles vont s'organiser pour aller devant sa porte maintenant pour aller la poignarder. Elles sont prêtes à tout. Mm-hmm. Je vous dis, Alette Zaté, si vous écoutez sa vidéo d'aujourd'hui là, ça veut dire que elle ne le fait pas parce qu'il faut le faire. Mm-hmm. Elle a été poussée par les gens. Mm-hmm. Donc nous, les femmes, nous devons nous réveiller. Si Simone est mauvaise, oh, si elle n'est pas une bonne femme, oh, si elle a trompé son mari, oh, si elle a fait quoi, oh, nous ne regardons pas tout ça là. Nous regardons ce qu'elle a fait pour nous. Mm-hmm. La Côte d'Ivoire que nous, elle a représenté, les femmes qu'elle a représentées dignement dans le monde entier, c'est ce combat-là mm-hmm. que nous devons mener. Mm-hmm. Sinon, Alette Zaté, c'est un noyau mm-hmm. qui est derrière elle. Donc, elle ne pourra jamais fermer sa gueule. Mm-hmm. Mais nous, on les appelle. Nous, là, lorsqu'elle fera une sortie, on fera une sortie si Nadiali Bamba. Mm-hmm. Parce qu'elle n'aime pas qu'on touche à Nadiali Bamba. Donc, tant qu'elle touche Simone, nous allons toucher mm-hmm. Nadiali Bamba. Mm-hmm. Et nous, on reste dans ce combat. Vous, les grandes dames de la Côte d'Ivoire, les dignes femmes de la Côte d'Ivoire, les vrais garçons de la Côte d'Ivoire, vous devez faire sortir vos femmes pour dire non. Yeah. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mm-hmm. J'étais trop longue sur ce direct-là. Mais je vais encore revenir. Mm-hmm. Je vais encore revenir. Je vais continuer de lancer mon appel. Mm-hmm. Je vais continuer de demander pardon aux femmes. Mm-hmm. Battons-nous pour Simone et Yves Gbagbo. Même si le président doit la président laisser... Président quoi, Sablibo? Si le président doit la laisser, nous les femmes, mm-hmm. on n'a qu'à l'épauler. En tout cas. On n'a qu'à la soutenir. Mm-hmm. On n'a qu'à aller avec elle. Mm-hmm. C'est ce que je vous demande. Donc je remercie tous ceux qui ont pris le temps mm-hmm. de venir sur ce direct-là. Mm-hmm. Je remercie mm-hmm. la Dream Team, mm-hmm. des hommes mm-hmm. à qui ça fait mal. Mm-hmm. Mon président Gbalou Nagbalou, mm-hmm. Okossi Baba Nicolo, tous les jeunes là, mm-hmm. à qui ça fait mal. Et Koukounyan, Béa Koukounyan, mm-hmm. qui est jusqu'à chose à Lyon, là, je sais Orléans. Pas, Orléans. Hier, yeah, malgré qu'elle était malade, mais là, elle est sortie. Mm-hmm. Béa Koukounyan, ma grande, dis-toi que on est là. Mm-hmm. Nous vous disons merci. Mm-hmm. Merci, mais. Pour ceux qui ont peur de se faire attaquer par Alette Zaté, si vous voulez, ne faites pas de vidéos. Mais tout ce qu'on vous demande, appelez. Appelez-nous. Nous allons marcher. Nous allons organiser une marche. Du moment que Simone Gbagbo, elle nous regarde. Et elle vit encore. Où son elle, Dieu lui donne encore le souffle de vie là, pour qu'elle sache que il y a un jour, les femmes de la Côte d'Ivoire sont levées pour elle. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais ce combat-là d'Alette Zaté, là, je vous prie, nous, là, on n'est pas prêts à lâcher. Mm-hmm. Non. Alette Zaté, elle est dans quelque chose.
Et nous là, nous sommes au courant. Mm-hmm. Et nous là, nous avons décidé d'aller au terminus mm-hmm. avec elle. Mm-hmm. Et ceux qui le soutiennent, mm-hmm. ceux qui sont derrière Alette Zaté, on a tous les noms mm-hmm. sur notre mm-hmm. liste. On a tous les noms. Donc, vous, si vous faites des directs, ne tournez pas autour du pot. Venez droit au but. Ouais. Nous, les filles de Saïwa, voilà. Je suis là. Mm-hmm. Moi, je serai assise sur mon tabouret. Et puis, je vais faire votre talakou. Mm-hmm. Et puis, je vais vous donner ça. Mm-hmm. Moi, seule là. Je vais faire votre talakou et puis, je vais vous donner ça. Arrêtez, arrêtez de tourner. Ne faites pas, ne prenez pas les raccourcis. Mm-hmm. Je suis là. Donc, moi, Abriela. Donc, mes amis, GPS, je suis en train de vous dire, on est devenus des frères. On est devenus des soeurs. Votre maman. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Levez-vous. Sur le de Paris, votre maman, Simone et Yves Gbagbo. Elle a besoin elle de a vous. Elle a besoin de vous. Levez-vous. Dream Team, levez-nous. Les patriotes, levez-nous. On va aller devant la maison de Alette Zaté. Parce que Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo a divorcé Simone et Yves Gbagbo. Nous, on ne on sait on pas. Et puis, on est là. Donc, tout est fini. C'est bouclé, fermé. Donc, elle vit, la dame là. Elle vit. Pour les... Elle vit. Elle va nous voir. Quoi? Comment nous, on t'aime. Comment le monde entier t'aime. Elle va voir. Donc, on vous demande pardon. Sur le de Paris, je te demande pardon. Ce soir-là, il faut faire quelque chose. Il faut motiver les gens. On va s'élever. On va s'élever. C'est vous tous, Amine Blédé. Toutes les femmes de GPS. GPS, levez-vous. Levez-vous. Notre soeur qui était dans Gohou, là, Eleonore, ta maman, il faut t'élever. On vous demande pardon. On ne connaît pas vous tous, on ne connaît pas votre nom. Si tu es dans d'autres pays, oh, si tu es partout, oh, ceux la qui guêpe, sont la guêpe, aux États-Unis, la guêpe, il faut mobiliser les gens aussi. Levez-vous là-bas. Notre maman. Du côté de Londres, Mataba. Faut attaquer là-bas aussi. Faut attaquer là-bas. On va s'élever. On va s'élever. Parce qu'il est l'heure pour nous. Parce que vidéo d'aujourd'hui là, il nous a tout dit. Donc, levez-nous. Donc, famille, ici, hein, Maman Duska, tu viens d'arriver, ma mère, une mère. Ah, ma notre mère, maman. Je t'aime moi. Beaucoup. Bon, de ton côté, de côté Lyon, là-bas, faut sensibiliser aussi. S'il y a des patriotes là-bas, maman Duska, je te demande pardon. Ce problème-là, prenez ça au sérieux. Papa, vous allez nous regarder. Nous, ne regardez pas. Les filles de Saïwa. Non, non, non. Mais c'est qui sont ici, là. Pardonnez. On vous maman pardon. Simone Gbagbo, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Elle est là comme ça. Ou pas, Gézi? Tout le monde du côté de Guiberoua. Tout le monde du côté de Saïwa. Ici, dans l'Oua, partout. Si tu es une femme, tu dois te lever. Tu dois te lever. On va dire non. C'est Thérèse Boigné, Thérèse ou Félice ou Boigné, celle qui a amené la loi là. Son mari voulait la tromper. Les femmes, c'est Maman Duska qui a dit ça hier dans son direct. Les femmes de la Côte d'Ivoire se sont levées. Moi, voilà, c'est une porteuse ivoirienne Uruguay. Mais elle là, c'était togolaise. C'était togolaise. Mais celle-là, elle est ivoirienne. Mm-hmm. D'accord? C'est les deux ivoiriennes. Tu pousses ta camarade femme à bout pour qu'elle puisse se suicider. Donc, nous, les Ivoiriennes, nous n'allons pas accepter ça. Je vous demande pardon, vous, mes mamans que j'ai citées là. La liste que j'ai reçue ce matin, ma maman m'a dit de vous citer. Je vous ai cité, j'ai cité vos noms là. Je vous demande pardon. C'est temps de Corona, je vous comprends parfaitement. Mais, Corona là, Dieu même là, qui est là-haut là, il va faire un miracle. Dieu là, Corona là, va passer, il va nous donner un jour. Et puis les femmes vont se lever. Les femmes, les dignes femmes de la Côte d'Ivoire. Donc, on va aller, prenez une autorisation devant son immeuble là, devant l'immeuble de Alette Zaté. On va s'arrêter là, c'est pas pour aller passer. On m'a envoyé son numéro. On m'a envoyé son numéro. On a son numéro. On va nous envoyer l'adresse. Parce que trop c'est pas pour la frapper. Oh. Non, non, non. On ici, va là, faire c'est des vidéos. C'est un pays de loi. Vidéos. C'est pas pour la frapper. On va faire des vidéos pour dire elle n'a qu'à arrêter.
C'est pas... Non, non, non. Nous n'allons pas rentrer chez elle. Jamais. Ça, c'est pays des lois. Ici, là, il y a... C'est pour ici. Faire des vidéos pour dire trop, c'est trop. Nadia Li Bamba, si elle veut prendre Marie, là, elle n'a qu'à prendre. Mais Simone Gbagbo, laissez-la tranquille. Elle nous a gouverné. Elle a été notre première dame. Laissez-la tranquille. Ah bah, on ma pika. Ah bah, ma bête, on tout le monde. Tout le monde. Ah, Simone Gbagbo, yéba. Ah, ne sauve. Ok, Simone Gbagbo, yéba. Ah, pika. Tout le monde. Levez-vous. Trop, c'est trop. Maman Douska, fait, vous tous, vous que j'ai cité là, les filles qui font des directs, Mataba, Mayiliba, Sonaki, tout le monde, Nina GPS, que je ne connais pas, tout le monde, vous, vous devez faire des vidéos pour sensibiliser nos sœurs qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ça va mélanger tous les trucs de députation là. On va tout mélanger. Tout! Ça quoi une députation? Maman Simone a dit qu'elle n'ira pas là. C'est ça aujourd'hui là qui est en train de gâter. J'ai dit, les enfants de la Dream Team, les dignes femmes, les dignes hommes, levez-vous. Députation, si vous avez laissé là quoi, je vais me susciter ici et puis je vais donner ça à vous. Députation où Simone dit elle va pas là, elle va pas là. C'est pour ça aujourd'hui là, cette femme là, c'est fait vilipender aujourd'hui. Mais si vous, Okosi Papa Nicolo, Balouna Balou, et sur de Paris, Aminé Blandé, tous ceux que j'ai cités, vous êtes des hommes. Il dit, vos culottes que vous portez là, c'est pas gros pour rien, c'est pas vrai, vous êtes garçons. Donc, vous devez nous prouver que ce flambeau là, vous allez tenir ça. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Simone et Yves Gbagbo, que Dieu bénisse tous ceux qui sont sortis hier, qui ont fait des directs. Que Dieu vous bénisse. Mais nous, les abeilles, nous, les semeuses de riz, je donne cette semaine à l'aide satée. Si elle va faire... Hier, elle a fait une sortie. J'ai fait une sortie. Aujourd'hui, elle a fait une sortie. J'ai fait une sortie. Ce soir, si elle fait une sortie, matin, j'ai fait une sortie. Après, demain, elle fait une sortie, je ferai une sortie. Jusqu'à... On va arriver au terminus. Le jour, les braves femmes, les dignes fils de la Côte d'Ivoire vont m'appeler pour dire, Félix, on est prête là. Je vais faire ma grande gueule là. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Allez, moi, je vous adore.